semaine olympique et paralympique donc, qui se déroule pour cette année 2022 du 24 janvier au 29 janvier. Une semaine qui se passe dans les écoles et aussi aujourd'hui à l'accueil de loisirs. Donc c'est, l'idée c'est de mettre davantage de sport dans le quotidien des enfants. C'est pour cela que la ville de Barentin et le service des sports et la municipalité en général se mobilisent pour permettre aux enfants d'avoir un maximum de temps de pratique. Un maximum de temps de pratique qui se fait sur du sport traditionnel. Aujourd'hui et cette semaine, on a trois activités principales que sont le hand, le football et le tir à l'arc. Et puis, à travers cette journée, mercredi, à l'accueil de loisirs, on a le privilège, grâce à nos animateurs, de pouvoir proposer des animations qui sont liées donc à la sensibilisation au handicap. Donc sensibilisation au handicap avec des activités telles que Cécifoot, hein, qui permet d'être bien sensibilisé, quelques évolutions aussi sur chaise avec ballon. Hein, tout ça pour donner l'idée de ce que représente le handicap. Pour chacun.